rolling, nous avons vu le maître. We saw the man. Il nous est apparu. He showed up to us. Tu n'étais pas là, Thomas. You were not there, Thomas. Thomas a dit. And Thomas said, si c'était lui, if it was him, j'aimerais le voir aussi. I want to see him too. C'est comme s'il avait douté. And like he had a doubt. Mais ce que j'ai aimé. And what I love. La Bible dit pendant qu'ils étaient en train de parler. The Bible said the time they were talking. L'homme de Galilée. The man of God. Le roi des rois. The king of kings. Celui qui entend même dans le secret. The one who listens. Celui qui sait lire le cœur. The one who can. Celui qui connaît ce que l'homme désire. The one who knows what your heart needs. Il avait entendu la demande. He heard what they were asking for. Et il les était apparu. And he showed up. Il a dit à Thomas. He told Thomas. Pourquoi tu as douté? Why you had a doubt? Regarde mes doigts. Look at my hands. Regarde les côtés. Look at my bones. Et Thomas dit. And Thomas said. Il m'est apparu. He showed up to me. À moi aussi. To me too. Il m'est apparu à moi aussi. He showed up to me. Je vais le dire à quelqu'un. I want to. Ce que tu as entendu parler, ce que Dieu fait. What you heard, what God do. Au travers de son serviteur. Through his servant. Tu peux écouter. You can hear. Mais ce que j'ai aimé. But what I love. Jésus pouvait dire à Thomas. Jesus could say to je ne veux pas apparaître. I will not show crois up to you. Seulement ce qu'on te dit. Just what they're telling you. Mais il était apparu. But he shows up. Laisse que toi aussi appuies cet enseignement. Let you ask que tu dises ce Dieu-là. For you to say que j'entends-tu parler. Il m'a visité moi aussi. He visited me. Lève ta main, je vais prier pour toi. Lift your hands up, I'm going to pray for you. Un jour, Jésus marcha sur les eaux. And one day, Jesus saw other people. C'était la nuit. It was a night. Pierre a vu. Peter saw. Il dit, fantôme. He said, phantom. Fantôme. Get up. Jésus dit, non, ce n'est pas le fantôme. And Jesus said, I'm not a phantom. C'est moi. It's me. Pierre dit. And he asked, who si are c'est you? Toi, if it's you. Ordonne que je marche. Tell me to walk. Sur les eaux. On the water. J'ai entendu parler de la foi de l'apôtre Tamboulou. I heard talking about the faith of Apostle Lukoki. Et ce que Jésus fait avec lui. What God did to him. Permets Seigneur. Let God. Que ce dernier jour. That this last day. Que moi aussi je sois touché. For me to be touched. Que moi aussi je sois guéri. For me to be healed. Que je témoigne comme les autres. And I will testify like others. Hey! Hey! Au nom de Jésus. In name of Jesus. Je recommande l'assemblée. I will command this room entre tes mains. To your hands. Impact nos vies, Seigneur. Impact our life, God. Car tu as donné la vie pour que nous ayons la vie. Because you give us life to have life. Utilise puissamment ton serviteur. Use your servant. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Amen. Amen. Nous appelons l'apôtre, on acclame fort pour Jésus. Clapping our hands for the apostle. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Depuis que je suis là dans cette salle, since I've been here in this room, je ne parle que de Jésus. I'm talking only about Jesus. Il est le même. He's the same. Hier. Yesterday. Aujourd'hui. And today. And forever. Je ne sais pas si les gens ont compris. I don't know if people did understand. Moi, j'ai étudié un peu de langue. Je comprends ce que papa a prêché. I studied a lot of language. I understand what the pastor preached. C'est formidable. It's very good. Parce que pour la plupart. For sometimes. Jésus-Christ est une religion. Jesus is a religion. Mais ce qu'il a dit ici. But what he said here. Jésus-Christ. Jesus Christ. Il n'est pas une religion. He doesn't have a religion. C'est une personne. He's a human being. Il a quitté le ciel. He left from the heaven. Il est venu sur la terre. And came here on the earth. Il est mort. He died. Les gens ont constaté. And people saw. Moi j'ai entendu. And I heard it. J'ai cru. I believe. Ma vie a changé. And my life changed. Et toi? And you? Si votre bouche discute. If your mouth is trying to discuss. Va au rocher boire de l'eau. Go into the water and drink water. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir et écouter la parole. We may be seen that we're going to hear the word of God. Vous me donnez Marc chapitre 16. We're going to read on Mark 16. Marc chapitre.
Marc chapitre 1, à partir du chapitre 16, à partir du verset 1er. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. Du grand matin, comme le soleil venait de se lever. Vous m'excuserez, je demanderai à maman, mamie, de laisser la place à l'interprète pour parler au pasteur par rapport à ce que l'homme de Dieu a dit. Maman, mamie, let it be close to pastor. Que l'interprète soit accueilli. Il peut parler au pasteur Pedro. She can talk to the pastor. Ok. Les premiers jours de la semaine, elle s'est rendue au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre? Loin de l'entrée du sépulcre. Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre et virent un jeune homme assis à droite, vêtu et épouvanté. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité. Il n'est pas ici, voici les lieux où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Alléluia. Amen. Matthieu, vous avez la Bible ouverte et lisez. If you have the Bible, open it and read and follow what you read. Matthieu chapitre 28, verset 1. Après le sabbat, alors du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Maintenant, je prie la parole et dis aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, vous voyez le lieu où il était couché. Et allez prendre à dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici. Il était mort ou il était tombé en syncope. He died or he thought he was in coma. Il était mort. Vous avez constaté sa mort? Did you see his death? Où est-ce qu'on l'a mis? When did they put him? Au sépulcre. In the pit. Et lorsqu'on l'a enterré. And when they buried him. Qu'est-ce qu'ils ont fait? What they did? Ils ont demandé que les sépulcres soient gardés. They asked that be to people to take care of that. Jusqu'au troisième jour. After 3 days. Afin que ses disciples ne viennent pas les opérer le corps. For the disciples not to come. Voyez. You see. On a mis des militaires. They put the military. Ils ont mis des grands rochers. They put a lot of people there. Assurez-vous. They will make sure que le sépulcre a été scellé par une pierre. That pit was with a big rock. Le sépulcre. That pit. Aujourd'hui, mon message c'est. Today my message is. Dieu sera là. God will be there. Avant quoi? Before you. Amen. Dieu sera là. God will be there. Répétez-le. Say that after me. Sera là. God will be avant there. Moi. Before me. Il y a des gens. There's some people. Qui sont chrétiens. They are Christians. Mais ils ne connaissent pas ce mystère. But they don't know this ministry. Ils ne connaissent pas aussi ce mystère. They don't know this ministry. Non, mystère. It's mystery. Le corps de Jésus a été enterré. The body of Jesus was buried. Le corps de Jésus a été enterré. The body of Jesus was buried.
Le corps de Jésus, on a mis un rocher. The body of Jesus, they did put a rock. On l'a enterré, on a mis un rocher. They buried him and they put a rock. Pour que le rocher était grand. That rock was really big. Pour que les gens ne viennent pas prendre le corps. For people not to come and get the body of Jesus. Après cela, after that, malgré le rocher, even that big rock they put there, on a mis encore, they put again, une armée, a military people, avec des armes, with a gun, ils ont fait la garde, they were there to take care of that body, 3 jours, for 3 days, donc l'accès à cette place là, they didn't have any access to that place, ne pouvait pas se faire. No one can have access. Qui que tu sois. Whoever you are. Autorité. Authority. Sadducéen. Whatever you Pharisien. Are. Pharisee. Membre de famille. A family member. Tu ne peux pas. You cannot go there. Pourquoi? Why? Parce qu'on voulait empêcher. They didn't want to. Que Jésus soit glorifié. For Jesus to be glorified. Il y a beaucoup d'événements qui viennent autour de toi. There's a lot of things who come in you. Pour que toi tu ne te glorifies pas. For you not to be glorified. Ce n'est pas seulement Jésus qui est venu dans ce monde avec une mission. It's not just Jesus who came in this world with a mission. Toi aussi tu es venu avec une mission. You too, you came for a mission. Ta vie est aussi comptée. Your life counts. Tu as été pris. They took you. Tu as été taillé dans les rochers. You were there. They put you on the rock. Ta vie a commencé en Christ. And your life started with Christ. Et quand tu es né, si c'est vrai. And you were born this earth. Jésus continue à être avec toi. Jesus was there with you. Même quand tu étais païen. Even you were pagan. C'est lui qui a fait que tu puisses accepter. He's the one who make you accepting to lui receive. Lui ne peut venir au Père. You nobody came to him. Sans passer par Jésus. Without going through Jesus. Que les hommes et les femmes that men and women qui considèrent leur famille comme source de vie that is a family at the first tu ne viens pas de ta famille. You didn't come from your family. Tu viens de Dieu. You came from God. Il y a combien de parents qui cherchent les enfants? How many parents are trying to have parce a child? Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir d'avoir des enfants. Because they don't have power to have children. C'est Dieu qui donne les enfants. God is the one who gives children. Nous tous nous venons de Dieu. All of us we came from God. Et chacun de nous a une mission. And every one of us have a mission. Et Dieu doit se glorifier. And God has to be glorified. Amen. Écoutez-moi. Listen to me. Quand tu dis que j'ai tout fait. When you said that I did everything, no. Tu n'as rien à faire. You have nothing to do with it. Tu dois regarder. You have to look. Quand tu regardes quelque part. When you look somewhere. Les situations commencent à venir. Until we come to you. Dans le désert. In the desert. Les gens sont morts. There's a lot of people who died. Mais la solution est venue quand ils ont regardé. And the solution came when they looked to God. Qu'est-ce qu'ils ont regardé? What they look for. Ils ont regardé les serpents. They were looking at the snake. La préfiguration du calvaire. And they have to see the calvary. Hey! 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 Le calvaire est réel. The calvary is real. Notre pasteur l'a dit maintenant. Our pastor is saying that now. Un militaire dit sérieusement c'est un vidéo. A military said there is a video. Listen to me. Jésus est réel dans cette salle. Jesus is real in this room. Il connaît tes problèmes. And he knows your problem. Il peut te guérir en coup de route, en songe, he dans l'eau, heal you in dans the le voyage, dans le feu. Il peut faire quelque chose maintenant. He can do anything right now. Et il a déjà fait. And he already did it. Hier nous avons vu, il dit, étends ta main. Yesterday we said that put your hand. Donc ce que tu désires, Dieu te donne. What you desire, God will give you. Qu'est-ce que tu désires maintenant? What are you desiring now? Dieu te le donne. God will give you. Tu l'as déjà. You already have it. C'est ta capacité de te de remercier. It's your capacity to go and get it. Commence à remercier Dieu. Start saying thank you, God. Commence à dire à Dieu la chose que j'avais, je vis ta grandeur et je crois que je l'ai. Si tu manquais, if you were missing, crois que tu l'as.
believe that you have it. Si tu crois qu'il y avait un barrage dans le futur, if you think that there were like a border somewhere, oublie cela. Forget it. Il n'y a plus de barrage dans ton futur. There's no more thing. Il n'y a plus de barrage dans ton futur. There's no more border. Il n'y a plus de barrage dans ton futur. There's no more barrier. Je te dis qu'il n'y a plus de barrage. I'm telling you, there's no more border in your life. On m'a dit qu'à l'âge de tel, they told me that when this age is 40, 50, I will have a problem. Ça va, c'est les rochers qu'on a dit. And that the big rock will come out. Jesus was buried. Un groupe de femmes. And there was a large group of women. Un groupe de femmes. A group of women. Qui étaient toujours avec Jésus. They were there with Jesus all the time. Qui faisaient des dons. And they were doing things. Ce groupe de femmes. Those group of women. A trouvé que Jésus est mort, on ne fera plus de dons. They found out that Jesus is dead, we cannot do any gift anymore. Moi, j'ai donné du parfum à Jésus. And I gave Jesus a perfume. Mais maintenant, je vais continuer, même quand il est cadavre. And even if that, we continue to give him perfume. Il y a des gens qui viennent à l'église parce que l'église a une bonne réputation. There's some people who come to church because the church has a good reputation. Si la réputation de l'église est abîmée. If the church reputation is messed up. Tous les membres sortent de l'église. Every member will get out and go. It is not be là-bas. They say no more anywhere. Mon frère. My brother, ma soeur, my sister, si cette église t'avait donné Jésus, if this church gives si you cette église t'avait donné la parole, if this church gives you the word, même dans les moments difficiles, even at the difficult time, tu seras toujours. You still gonna be there. Lorsque Marie de Magdala a cassé le parfum, when Mary of Magdala broke the perfume, Jésus était vivant. Jesus was alive. Il souriait. He was smiling. Il a lavé les pieds de Jésus. He cleaned Jesus' feet. Jésus n'avait pas de souliers. Jesus didn't have shoes. Il s'est promené avec des sandales. La terre était là-bas. He had a flip-flop on him. Ses pieds étaient sales. His feet was dirty. Parce qu'il allait toujours à pied. Because he was always walk. Une femme prostituée. A prostitute woman. A de plus grandes richesses. She has a big riches. La plus grande richesse. She was rich. Une femme prostituée. A prostitute woman. Ses cheveux. It was her hair. Les cheveux des femmes coûtent plus cher que les habits. Woman hair is very expensive than clothes. Amen. Et il a accepté de mettre ses cheveux. Dans le ciel. And she did accept to put her expensive hair to Jesus' feet. Et ce jour-là, and that day, Jésus est mort. Jesus responded. On a fait des choses. They did a lot of things. Voler. On a thief. On a lavé. On a dit de Jésus Christ. They say everything about Jesus. Marie de Magdala dit non. Mary of Magdala said no. Le jour de sabbat, tous les juifs. Every Saturday, everybody is home. Le soir, but in the evening, ils ont tout fait pour acheter le parfum. They did everything to buy a perfume. Où est-ce qu'ils ont acheté? Les magasins étaient fermés. Where did they bought that perfume? All the stores were closed. Ils ont cassé, ils ont eu du parfum. And they broke everything and bought that perfume. Tu m'écoutes? Are you listening? Tu m'écoutes? Are you listening? Ils ont eu du parfum. They got the perfume. Pour aller là où il y avait les cadavres. To go where there were dead, the dead of Mary. Même si c'est ton mari. Even your husband. Même si c'est ton oncle. Even your uncle. Quand quelqu'un meurt. When somebody dies. Il y a putréfaction. There's il commence à pourrir. Something bad smell. Tout le monde qui est à distance. And everybody's trying to run away from that smell. Mais Marie de Magdala dit non. But Mary of Magdala je vais là-bas. I will go there. J'aime le wendre. I love, I'm going je to vais encore le wendre. I'm going to anoint. Je vais encore le wendre. I'm going to anoint. Je vais encore le wendre. I'm going to anoint. Même si tout le monde l'a abandonné dans even la tombe. Everybody abandoned him. Moi et mon équipe. Me and all of us. We will go there. Partout Jésus prêchait. Everywhere Jesus was preaching. C'était l'argent de Marie de Magdala. It was money from Marie of Magdala. And she was paying an apostle. Et Jésus est mort. And Jesus there. Au lieu de dire. For her to say. Prenons seulement le parfum là. Okay, let's just take that perfume. Que l'on a jeté. That they throw away. Jésus est mort. Jesus is dead. On va acheter des nouveaux parfums. But they went and buy a new perfume. Acheter pour Jesus and they call that for Jesus in the church. Quand on dit,
On va donner à Dieu les apôtres, les habitants, les habitants qui donnent les voitures qu'ils ont utilisées. Mais il n'y a pas des gens qui donnent les choses aux gens. L'Église, c'est nous qui devons dépenser pour le corps. Quand tu entres dans ce mystère, tu verras Jésus. Est-ce que tu me comprends? Do you understand? Le corps de Christ. The body of Jesus. Jésus-Christ. Jesus. Le Fils de Dieu. The Son of God. Même avec une mauvaise réputation. Even with a bad reputation. Nous devons le servir. We have to serve him. Nous devons acheter pour lui. We have to buy things for him. Nous devons lui donner le meilleur de nous. We have to give him our best. God. Yes. Il est dans la tombe. He was in the town. Mais il y a des démarches pour aller. But people were trying to do everything. Écoutez-moi. Listen to me now. Mon thème c'est Dieu sera là avant toi. My headline is God. Lorsque le sabbat fut passé. When the Saturday passed. Le moment de sabbat c'est le moment de tristesse. And the Saturday is the day of sadness. Donc les gens ne font rien. People don't do nothing. Jesus was there in the tomb. Ils étaient tous dans leur maison. And all of them were même in les the apôtres house. Avaient la maison fermée. Even the apostles were in the house, but it's closed. Parce que because, Jésus est mort. Because Jesus is dead. Mais le sabbat passe. But the Saturday passed. Laisse-moi te dire. Let me tell you. Ton sabbat va passer. Your Saturday, your battle will pass now. Tu ne comprends pas. Ton sabbat est passé. If you don't understand, your tes douleurs sont passées. Your pain is tu as été dans le sabbat. You went in the battle. Avec le problème de tes documents. With the problem avec of your problème paper. De ton mariage. With the problem je of your marriage. Je t'annonce aujourd'hui. I'm telling you ton today. Sabbat est passé. Jésus t'a libéré. Tu crois que ça n'a pas passé. Ça n'a pas passé. Ma tristesse est passée. Ma tristesse est passée. Même ma vie est passée. Maintenant, j'entre dans la santé. Jesus. Je sais qu'il me donnera. I know he will give le sabbat de Pierre s'est passé. The bad time that le sabbat de Pierre s'est passé. The bad time le sabbat de travail est passé. The bad time le sabbat de difficulté de ministère est passé. All those ministries, le sabbat de ministère de problème est passé. The bad time of your ministry is passé. Tous les problèmes dans les ministères sont passés. And the problem you have le sabbat est passé. Le sabbat dans le mariage est passé. Le mariage, on ne pouvait pas avoir l'enfant, c'est passé. Amen. Je ne sais pas si tu es là. I don't know if you hear. Alléluia. Amen. C'est passé, frère. It's gone. Le premier jour de la semaine. The first day of the week. Il faut servir Dieu à la première occasion. You have to serve God in the first occasion. Mais dis pas, oh, j'attends d'abord. Don't say that serve I'm waiting. Dieu à la première occasion. Serve God when you have opportunity. Témoignez Jésus à la première occasion. Testify God in the first occasion. Mais dis pas, je vais encore dormir. Don't say that I need to go sleep and I will come tomorrow. No. Commence maintenant. Start now. Commence maintenant. Start now. Ne donne pas du temps pour. Oh, don't give time, or oh, I will do that tomorrow. Oh, I'm too young, I will do that when I'm too full. I'm telling you that the first day of the week, the first occasion you have, le grand matin,
early in the morning. Le premier de la semaine. The first day of the week. N'attendez pas, je vais le faire à 14. Don't wait till after we do that at 2 p.m. Do that early. Do that early. Do that early. Bon. Il Vous voulez dire que nous allons ouvrir à 14h? And for them to say that, oh, we're going to anoint him at 2 p.m., but they went early. Je vous dis, Dieu sera là avant tout. I'm telling you that God will be there before you. Elles ont pris le parfum. And she took the perfume. Et tout ce qu'elles avaient. And everything she had. Donc, en courant, and she was ils ont constaté que ce jour-là, on avait mis un gros rocher. They figured out they did put a big rock. Ce jour-là, il y avait un gros rocher. That day, they did put a big rock. Ils ne savaient pas. And they didn't know. Qui nous roulera la pierre? And who's going to help us to take this rock out? Qui à l'entrée? Oh. Qui nous roulera la pierre? Who's going to push this rock? Ils ont les parfums. They had the perfume. Mais ils ont constaté que là. But they figured out over there. Il y a une pierre. There's a big rock. Qui va rouler cette pierre? Who's gonna roll this rock? Les femmes ne sont pas capables de rouler. Woman is not able to roll that big rock. Tu as un problème. You have a problem. Je vais voyager. I am we travel. Qui achètera les billets? Who will buy the airplane ticket? Tu as une maladie. You have a sickness. Qui demande de l'argent? You need money. Qui me paiera l'assurance? Who will pay insurance for me? That's question. Ces femmes-là n'ont pas posé aux apôtres. This woman, they didn't ask that to their apostles. No. No. C'était dans leur corps. It was in their body. Leur pensée. It was in their mind. God, then when mais you are sitting there, then you have questions in your mind. Il y a des femmes, hein? There's women here. Vous voyez la beauté. You see their beauty. Mais dans le cœur, but in the heart, il y a des questions. They have questions. Je veux marier comment? How I'm gonna get married? Ils regardent les choses. And they're looking at them. La grande sœur a été épousée. And my older sister is married. À un moment donné, c'est tombé. And after that, she got divorced. Dans la famille, il y a des choses qui se sont faites auparavant. And in my family, things happened before. Mais elle dit. And she said, pour moi, je serai comment? How am I gonna be? Y a quelqu'un devant. There's somebody in the front. Il est là pour arranger les situations. He's there to fix things. Il est là pour arranger les situations. He's there to il est là pour les cas que toi tu as. He has those things you have. Amen. Qui me roulera la pierre? Who's gonna roll the rock? Qui est à l'entrée? Who's there? Qui me payera le départ? Who's gonna for qui me? Arrangera ma vie? Who will fix my life? Qui soutiendra mon ministère? Who will help my ministry? N'allez pas faire des choses comme les autres. Don't do things like other people do. N'allez pas faire le bricolage. Don't try. N'essaye pas. Don't even try. Jésus est là. Jesus is there. Ton cas n'est pas comme le cas de tout le monde. Your thing is not like other people. Il y a un ministère de Dieu. There's God ministry. Pour toi. For you. C'est avant toi. It's before you. Amen. J'aime la parole qui dit. I love the one to say. Devant le Seigneur pour les jours que tu as fait. Happy for the day that you have made. Chaque jour, ce n'est pas le même jour. Every day is not the same day. Dieu a fait un jour. God made a day. Cette femme veut faire de bonnes choses. That woman was trying to do good things. Mais elle regarde, elle se souvient qu'il y a des barrages, il y a des blocages, il y a des problèmes, il y a des choses. They were thin. Mais ça ne l'arrête pas. But it didn't stop right there. Regardez-moi. Look at me. Qui me roulera la pierre? Who's gonna roll this big rock? Elle sait qu'il y a une pierre. She knows that there's a rock. Elle sait qu'il y a la pierre à l'entrée. She knows that there's a rock at the ça va empêcher de parfumer Jésus. Are we not able to get in and put the perfume on Jesus? Elle n'entre pas. She didn't go forward. But she was going forward. Qui me roulera la pierre? Who will help me to roll this rock? Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, je vais aussi. Let them attack me. Moi aussi j'attaque. God is a human being. Real. Real. Il est avec moi.
If with me, if with you where you are, et you en Suisse, and you been in Greece, et en Italie, and you been in Italy, et en Congo, and you been Congo, là où il y a des ennemis des Congolais, whatever, Jésus est là. Il a une histoire à faire. He has something to do. Prophesy. Thomas. Mon frère. My brother. N'aie pas peur. Don't worry. Before you. Ne t'arrête pas. Don't stop. Quel que soit le problème. Whatever the problem. Continue. 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 Je vous ai dit hier. I told you yesterday. Cet homme a dit. That man said. Homme de Dieu. Man of God. Consent de venir avec nous. Come with us. Le feu de la hache est tombé. And that the fourth thing. Il était incapable de prendre. He was not able to pick it up. La parole de Dieu était là. God was there. Jésus était là. Jesus was there. Et il a récupéré ça. And he took that back. Quelle maladie là que Dieu ne peut pas guérir? What sickness that God cannot heal? What problem that God cannot solve? Quelle est la prison que Dieu ne peut pas guérir? What prison that God cannot take you back? Peter était dans la sortie de la prison. Peter was there. Paul was in prison. He got out. Tu regardes l'Amérique? You look at America. Regarde le créateur de l'Amérique. Look at the creator, the one who created this America. Alléluia. Je vous dis ceci. I'm telling you this. Il y a une réalité. There's a reality. Ce que vous ne voyez pas. That you don't see. Il y a un roi qui règne. There's a king who reigns. Et celui qui a prophétisé pour provoquer ce que nous voyons. The one who prophesied to see it. La Bible dit, the Bible said, elle disait entre elles, they were saying between them, qui nous roulera la pierre? Who will throw this rock? Nous devons embaumer ce corps. We have to put the thing on Jesus. La Bible dit ceci. Mais we said, qui nous roulera la pierre? Il est gardé là-bas. She was looking at them and said, who's going to help us to roll this rock? And they were going forward. Ils s'approchaient de toi. They were going close to the town. Ils ont levé les yeux. And they look at the eyes. Le rocher était haut. And that rock was not there. Le rocher était haut. The rock already saw them. Le rocher était haut. I'm not saying that the rock was already saw. Et levant les yeux. And they lift the eyes up. Ils aperçurent que la pierre qui était très grande. And la pierre qui était rock, très grande. That was very la big. Maladie qui avait pris du temps. That sickness that was gone. Et qu'est-ce qui se passe? And what happened? Et then went there to the pill. Tu vas entrer. You will get it. Tu vas avoir ça. You will see that. Ta guérison te vient maintenant. Your healing will be here now. Dieu est là avant toi. God is there before you. Prends-moi ce que nous avons dit avant. Take me what we went before. Matthieu 28. Écoute-moi ma soeur, quel que soit ton âge, ma mère, mon frère, my brother, quel my que soit le souci de ta vie, nous sommes dans cette salle. We are in this room. Jésus est là-dehors. And Jesus is outside. Il est aussi ici. Here too. Il est déjà en train de faire quelque chose. And he's already doing something. Et il entrera dans ma maison. And he will get et tu verras qu'il y a déjà la solution. You will see that already. Le lundi tu iras au travail. On Monday you will go to your home. You will see on t'avait dit que tu ne seras plus au travail. Et ils disent que nous avons besoin de toi. Tell you that we need on you. T'a chassé du travail. They kick you out to your tu auras la lettre. You will get the letter. Tu auras le téléphone. Then we call et on te dira reviens. And then we tell you come. Il est là avant toi. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Ils étaient en train de partir. They were going. Un moment donné. And then one moment. Ils arrivent avec les soucis. They were there just. En regardant. And when la they pierre qui était très grande. That big rock. Il était it was already gone. Après le sabbat, after the bad time, après les difficultés, after difficulty time, il y a quelque chose qui se passe. There's something Marie going de Magdala, Mary of Magdala, et les autres Marie dans son parcours, and other women, they went to see the pill. Et voici, and look at now, un grand tremblement de terre. They were like a shaking on the time. Il y
un grand tremblement de terre. There were like a big earthquake. Car un ange du Seigneur, when the angel of God descendit du ciel, came from the heavens et vint rouler la pierre, and he rolled those rock away, et s'assit, and he sat. Il y a quelqu'un qui vient. There's somebody we call. There's somebody we call. You are a grand tremblement de terre. There will be an earthquake in your body. Ça va sortir la maladie. You will take. You are a grand tremblement de terre. There will be a earthquake dans ton pays. In your country. Qui va changer le système. That will change the system. Un tremblement de terre dans le Congo. Qui va changer le système. That will change un tremblement de terre. Avant toi. God is there before you. Quand ces femmes avaient des problèmes, when that woman had problems, Dieu savait qu'elles allaient là-bas. God knew that she would go there. Dieu les a précédées. And God went ahead. Il a ôté la pierre. And he took that le problème est ôté. La maladie est ôtée. La sorcellerie est ôtée. Le problème est ôté. Dieu te regarde. C'est toi que Dieu doit utiliser. Et c'est lui-même qui prépare tout. The thing that is the company. Do you think it's your church? It's from God. He's taking control. Those people trying to kill you, they will die. Let them. Just pray for them. Love them. Love your enemy. Love them. Achète pour eux. Buy things for them. Aimez vos ennemis. Love your enemy. Moi, j'aimais beaucoup faire certaines choses quand j'étais jeune. I used to do those things when I was young. Même j'étais du feu sur quelqu'un. I even throw the fire on someone. Mais depuis que j'ai lu un livre, but the time I went back, I was in the pit. Jean et Jacques disent à Jésus. And Jack was telling this. Those people, they are not allez, with us. Let's throw the fire on them. Or you don't know what the spirit they have. Là où tu es, where you are, Dieu contrôlé par Dieu. God is controlling you. Et le désir que tu as de servir your Dieu. Desire, you have to serve God. Dieu qui a mis ça en toi. God is the one who put that on you. Ça. He didn't pick it up anywhere. Pas moi qui t'ai donné. It's not even me who et gave Dieu you. A mis une provision. But the God already provided. Dieu savait que nous serons dans cette God knew that we will be here in this même le premier jour. Even the first day. Le deuxième jour, il y avait the bruit. Second day. Les gens ne sont pas venus non plus. There were not a lot of people here. But I knew. But today. God, what he will do. Il n'y a personne qui va te bloquer. There's nobody that will proclaim. Il n'y a personne qui va te bloquer. There's nobody that will proclaim. Si il y a des ennemis. If there's your enemies. Ils sont là parce que Dieu est là. They are not because God put them there. Vous savez pourquoi je les ai envoyés? You know why God sent them? Your enemies. Le jour où vous mangerez sur la table. The day we eat on the table. Si il n'y a pas des ennemis, ce n'est pas une table. If it's not your enemy, there is nothing. Il faut que sur la table, you have to sit on the table. Mange, when you eat, en face de toi, and close of you, et les gens sont là en train de regarder. And people are looking around. You are healed now. L'ange de l'Éternel est en train de te guérir. The angel of God is healing you. L'ange de l'Éternel est en train de te guérir. The angel of God is healing you. Tu as beaucoup plus de toi. You. Tu ne peux rien plus. You will not cry anymore. I don't know you. But tu as vu les gens t'abandonner. You see people abandon you. Dieu te dit maintenant. But God is telling you now. Il est là avant toi. He is there before you. Il a arrangé avant toi. He already fixed things before you. Je dis la vérité. I'm saying the truth. Hallelujah. Amen. Écoutez. Listen. Je dis ceci. I said this. Dieu sait.
sera là avant toi. God will be there before. À partir d'aujourd'hui. From now. Avant que le soleil se lève. Before the sun rises. Sache que Dieu s'est déjà levé. Know that God is already gone. Et il est déjà en de route. Tu es dans le piste pour aller au magasin. And you are getting ready to go to the store. Dieu déjà en bas. God already sent people there. Quelle maladie qui peut résister à la parole? What sickness that can resist in God? Quelle maladie? What sickness? Amen. Quel problème? What problem? La pauvreté? Being poor? Mais c'est la plus facile à quitter. That is easy to get out from poverty. Dis-moi pourquoi? Ask me why. Dieu s'est fait pauvre. God was poor. Jésus s'est fait pauvre. Jesus make himself rich qu'il était. A rich he was. Il est venu naître. He came here to be born. Dans quelle condition? Okay, what condition he was born? Why? Pour que tu sois riche. For you to be rich. Seulement pour Dieu. Just work for God. Seulement travaille pour le corps. Just work for your Dieu body. Et Dieu bénira les travaux de tes mains. And God will bless you there. And put us in the way. Ne sois pas paresseux. Don't be lazy. Parmi les péchés qui amèneront les gens en enfer. We took people to hell. Paresse. Is being lazy. Aucun paresseux ne méritera no de toucher. Lazy, go to heaven. Travaillez. Work. Ne comptez pas sur le travail d'un autre. Don't count with somebody else's job. Merci Seigneur. Amen. Thomas. Dieu. God. Sera là. He will be there. Avant toi. Before you. Il y a des choses que nous avons cherchées. There's things that we were looking for. On a cherché cela. We looked that really good. Mais Jésus a donné. Vous levez les mains, vous voyez la chose est déjà. And God already gave that. You lift your hands up, you will see the way. Dans la Bible dit. And when the Bible said. Les enfants de Dieu ils dorment. The child of God was sleeping. Sommeil. They were in deep sleeping. Dieu préparait pour eux. God was getting everything ready for them. Vie en paix. Live in peace. Vive en paix. Live in peace. Je n'entends pas. Vive en paix. Live in peace. Ici. Here. À Dallas. In Dallas. Ici. Here. Là où tu es à Paris. Where you are. Là où tu es, importe où. Wherever you are. Vive en paix. Live in peace. Il est là avant toi. He's there before you. Avant que tu fasses l'université, il est déjà là. Before you go to university, pour aller à manger. You go to eat. Il a déjà mis les professeurs qui te comprennent. He already met a professor that we understand. Mais sachez qu'il peut mettre aussi un professeur qui te fera du tort. But you have to know that he can even put a professor that will be against you. Ça sera pourquoi? He will be what? C'est pour te lever. To lift you up. C'est pour que tu sois connu. For you to be known. Alléluia. Moi, je suis allé dans beaucoup de pays. I went to a lot of countries. J'étais à Bruxelles une fois. I was in Belgium. On m'appelait en Côte d'Ivoire. They call me in Ivory Coast. Un prophète est venu me dire. A prophet came and tell me. Dieu m'a dit que tu pars dans un pays africain. God told me that you are going to an African country. Mais, but il y a des mauvaises choses qui vont se passer. There's a lot of bad things will happen. Hallelujah. Amen. Je voyais c'est bien. I saw that well. That's good. J'appelais mes intercesseurs. I called those people we will pray with. Parce que chez moi, chaque jour depuis 2002, from me from 2002, qui prie chaque nuit, I have a intercessor who pray for me every night. J'ai dit, voilà ce qu'on m'a dit. I told them, look, what this is what ils they m'ont dit, Dieu nous a dit, they told us là, that God told us, sera là pour ça. You will go there, but you will be there for that. Le même jour j'étais à Kinshasa. And the same day I was in Kinshasa. À 18h. At 6 p.m. À 21h. Je suis rentré à l'aéroport. And at 9 p.m. I went to the airport. Pour aller en Côte d'Ivoire. To travel to Ivory Coast. Arrivé en Côte d'Ivoire. When I got to Ivory Coast. Un dimanche. It was a Sunday. Je suis allé au lit. I went to bed. Le lundi. On Monday. J'ai rencontré tous les pasteurs. I saw all the pastors. Et je suis rentré à la maison. And I came back when I was sleeping. J'ai dormi. I slept. À 1h du matin. At like 1 o'clock in the morning. Est-ce que vous m'entendez? Amen. À 1h du matin. At 1 o'clock in the morning. J'ai entendu la porte. I hear somebody knocking at the door. Pastor. It's the pastor. La fille qui travaillait là-bas, la bonne et la maison.
That was the woman that walked over there. J'ouvre la porte, quelqu'un qui fait ça. I opened the door, I saw somebody with a gun. With a gun. Toi. You. Tu es un pasteur, nous on te connaît. You are a pastor, we know you. Partout où tu vas dans le pays, everywhere you go, you always change. Nous voulons te tuer aujourd'hui. We're gonna kill you today. Et il avait toujours l'arme devant. And he had a gun in the front of me. Toute la nuit. Il n'a pas pu tirer. He wasn't able to kill me. Mais ils ont tué un homme dans les cantines. But they killed somebody else in the war. Je suis sorti comme ça. And I was le matin, in the morning. Le président de la République a the president. Le président de Côte d'Ivoire. The Ivory Coast president. Ils ont envoyé les militaires. They sent the military. On m'a pris. They picked me up. J'ai été gardé par les militaires de Côte d'Ivoire. The military was taking care of me. Et ce jour-là. And from that day. Jusqu'à la fin. And after I left. Le président m'a invité à dîner avec lui. The president invited me to donc, have si dinner with him. If I was in attack, I would not go have dinner with the president. Donc, n'ayez pas peur de ce qu'on fait dans les ténèbres. Do not fear for that. N'ayez pas peur. Don't fear. Ce que tu crains t'arrivera. What you are saying avant avec le manger. Dieu sera là avant toi. I was in my house. Un certain 22 décembre. It was on December 22nd. J'ai vu des gens qui sont venus vers minuit. I saw people came at midnight. On nous a envoyé pour venir te tuer. They said they send us to kill you. On nous a envoyé pour te tuer. They send us to kill you. Ils avaient des cagoules dans les yeux. And they covered the eyes with the mask. Ils sont entrés dans la maison. They came in the house. J'avais seulement 2 minutes, une seconde pour dire Seigneur Jésus, I had only 2 seconds. God, take care of this thing. That's all. I said, God, do something for me. C'est ça la prière. That's all I prayed. And they came ils in. Ont tout fait. Ils ont tiré 4 balles. And then they shot the last four. Le dernier, le quatrième, c'était en face comme ça, au bout de moi. The last one was in the door in front of me. Je ne sais pas comment. I wasn't there. J'avais juste une plaie. La photo là, je l'ai appris. It was just a skin tear on me. I still have the picture. Quel que soit le combat autour de toi. Whatever the fight is around you. Ne pleure pas. Do not cry. Loue l'Éternel. Oh, il sera là avant toi. He will be there before you. Même dans le travail. Even at work. Même à l'immigration. Even in immigration. Il sera là avant toi. He will be there before you. Il sera là avant toi. He will be there before you. Les gens ont peur. People are scared. Tu es fils de qui? Yeah. Tu es fils d'Abraham. You are a child of Abraham. Abraham n'est pas parti en Égypte. Abraham didn't. Il n'était pas immigrant. He was immigrant. Quelle était la fin? What was the end? La terre est devenue sa terre. And that earth came for him. Ses enfants restent là-bas. And his children still there. Et aujourd'hui, je vous parle. And now I'm telling you. La terre là. That earth. C'est la terre. And they stay there. Amen. Don't be scared. Amen. Don't be scared of law. But in the Bible it is written. God with all the ordinance, the prescription. Même quand tu vois un songe. Even you had a dream. Un songe qui te dérange. That is bothering you. Dieu est là avant. God is there before. Il est là avant. It's before you. Il va te boulonner tout cela. He will do everything for you. Écoutez-moi. Listen to me. Dieu sera là avant toi. God will be there before you. Il va ôter la pierre. He will take the il va envoyer l'ange. L'ange va venir s'asseoir. The angel will come and sit there. On n'a pas seulement ôté la pierre. They didn't just take the rock. La pierre peut encore revenir. But the rock came back. L'ange a roulé la pierre. The rock. Et il s'est assis. And he went and sat there. Bon, je prie. And he was sitting there. Ngeti tani kuninga na dia ko pe. He said, you must not move anymore. That thing that they put on the that thing that they put on let me tell you. Today is a your day. Amen. Amen.
Peut-être tu dis quoi? Parce que tu n'as jamais combattu qu'il n'y avait pas eu. Maybe you think that you, because you never fight, you think there never be a fight. Non, il y avait un combat. There was a fight. Quelqu'un est venu. Somebody came. Et cet homme-là, tu connais? And you know that person. Il a dit ceci. He said this. J'ai gagné. I win. All the power was given to him. But he didn't buy that with his blood. He bought that with his blood. He fought for you. Il s'est blessé à cause de nos péchés. He got cut for our sins. Il a eu le meurtrissier à cause de nos maladies. He was died for our sickness. La maladie doit te laisser maintenant. La maladie doit te laisser maintenant. Je n'entends pas. La maladie doit te laisser maintenant. Le rocher doit sortir. Don't have to get out. Alléluia. Les tensions. Les estomacs. All those are like stomach. Maintenant. Heartburn, all of that. It will not be there anymore. Parce que la farine est entrée dans toi. Because there's a flour standing in your body. Toi qui écoutes partout. You will hear me everywhere. All those from Venezuela. Know that your body is new now. There is no rocher anymore. There is no more rocher. The angel finished. You don't see it. But it's already done. Amen. C'est pas parce que tu verras quelque chose sortir de ton corps que tu es guéri. It's not that tu es guéri parce que tu crois en Jésus. Because you believe that Jesus Christ. Oh. Écoutez. Listen. L'ange était assis. The angel was sitting. L'ange va s'asseoir sur ce qui te bloque. The angel will sit for everything was blocking you. Et son aspect était comme l'éclair, son vêtement blanc comme la neige. His clothes was very white like snow. Ne confondez pas la neige qui tombe ici, c'est pas l'ange. Don't be confused with the snow that falls here. Les gardes tremblaient de peur et deviennent comme morts. Those people who were doing it like a security, they were shaking. Listen to me carefully. Quand l'ange intervient, when God intervened, les hommes, people qui bloquent ton, that were blocking the il y avait des militaires qui sont tombés. There were morts. Military who fell and died. J'aime le ministère de Paul. I love Paul ministry. Quelqu'un attaque Paul. Somebody came and attacked Paul. Paul parle à un roi. Paul was talking to the king. Il y a un magicien qui parlait aussi. And then when a musician was talking. Paul lui dit. Paul told him. Tu seras aveugle pour un moment. You will be blind for a moment. Il est devenu aveugle. And he became blind. Et le roi commençait à regarder. And the king was looking. Il a accepté l'évangile. And he accepted. Il y a des gens qui doivent devenir comme moi. There's some people who will be alive. Il y a des systèmes qui doivent mourir. There's some of the systems that die. For you to be free. Ne fais pas peur, ça vient pas de moi. Ça vient de Dieu. From God. Moi, je n'aime pas les gens qui font lever ce que Satan fait. I don't like people who always talk what the devil is doing. J'aime que vous parliez ce que Dieu fait. I want you to talk about what God is doing. Amen. Dieu fait merveilles. God is marvelous. Voyez maintenant. Look at now. Donc, les gens qui étaient là sont tombés. People were there, they fall down. Comment? And then went down. Le système sera comme mort. The system les accusateurs seront comme mort. All those accusations will die. Toi, every God that will go against you will not go success. Maintenant, l'ange parle aux femmes. And now I'm talking about women. Pour vous. For you. Pour vous. For you. Elles sont comme mort. Elles sont comme mort. And they were like the dead. Pour vous. For you. Ne craignez pas. Don't be scared. Car je sais que vous cherchez Jésus. I know that you are looking for Jesus. Ceux qui cherchent Jésus. Those who seek Jesus. N'entrez pas dans la condamnation du monde. You, they cannot be with the world. Vous cherchez Jésus qui a été crucifié. You are looking for Jesus that was crucified. Voyez les lieux où on l'a couché. Look where they bury him. Alléluia. Amen. Quand
Un événement va se passer ici. When something gonna happen here, ça va détruire ceux qui ont le mauvais cœur. He's going to destroy those who have a bad heart. Pas de problème. Those who don't have problems. Le souci de ceux qui ne croient pas. Everything that they don't believe. Ce n'est pas ton souci. It's not your problem. Jésus est venu mourir sur la croix. God came and died on the cross. Celui qui l'accepte. If you accept him, cherche, those who are seeking him, they will be saved. Sont bénis, and they are blessed. Sont guéris, they are healed. Sont élevés, they sont transformed. Écoute, bon, maintenant tu es en train de recevoir un miracle. Receive me, and I'm receiving a miracle. Je ne vois pas. I'm not seeing it. Recevez la santé. Regardez votre guérison. Look at your healing. Ignorez ce qui vous bloque. Those people who are trying to block you. Ignore ce qui te bloque. Forget what is blocking you. Ne soyez pas négatif. Don't be negative. Ne parlez pas de ce qui font les choses. Ne parlez pas de la gloire des ennemis. Don't talk about your enemy glory. Quelque chose est en train de se faire. And something is happening there. Il est derrière les rideaux. He's behind the curtain. Tu ne les vois pas. You don't see them. Mais il est en train de préparer les gars. But they're trying to do things for you. Il sera là. And then we be there. Il sera là. Then we be there. Il sera là. Then we be there. Avant toi. Before you. Avant que tu n'arrives. Before you il est déjà préparé. Nobody fit avant him. Ton mariage. Before your marriage. Il sera là. Then we be there. Un jeune frère s'est marié. A young brother got married. He said, I have to get married. My marriage has to be powerful. Prié, il a prié. And he prayed and prayed. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Il y a des choses. They were dead. Le jour du mariage, il avait 4 mois de jeûne. On the day of the wedding, he was fasting for 4 months. Maintenant, il y a eu la pluie. The church was raining. À la fête, il y avait la pluie. In reception, it was raining. Et c'était la pluie. It was just rain. Après le mariage, after the wedding, le frère a dit Dieu n'existe pas. Said, parce que moi j'ai beaucoup prié. Because I pray a lot. Je déchire ma Bible. I'm ripping up my Bible. And he ripped the Bible. Le mariage est passé. And the wedding was passed. Un autre jour. Another day. Un homme entre dans sa maison. And there was a man who came to his house. Aujourd'hui je viens de dire. He said, today I'm telling you. Le Dieu là que tu pries. The God that you pray, do not abandon him. Quoi? He said, what? Pourquoi? Why? Pourquoi? Why? Il dit, moi, la me, femme que tu as épousée, the woman and your wife that you married, c'est moi qui l'aimais. C'est moi qui l'aimais. I'm the one who loves her. Moi, je l'aimais. I'm the one who loves her. Et quand tu l'as épousée, when you marry her, je t'en connais. I was so mad. J'ai acheté le poupou. I bought l'âme. I bought a gun. Pour te tuer le jour de ton mariage. To kill you on your wedding day. Mais ce qui t'a sauvé, what saved you? C'est la pluie. It was the rain. Cette maladie ne viendra plus. I know that sickness. Parce que cette maladie venait à cause des soucis. Because those sickness was coming from problems. À Dieu, à vous les enfants de Dieu donne. I told God that God. C'est Dieu qui donne. God is the one who gives. Même si vous priez. Even you pray. Même si vous jeûnez. Even you fast. C'est Dieu qui donne. God is the one who gives. N'est-ce pas Dieu est bon? Is not God is so good? Il y aura un tremblement de terre. Il y aura un tremblement de terre là où tu travailles. Il y aura un tremblement de terre dans ton pays. Il y aura un tremblement de terre dans ce système-là. Dans le bureau, on a mis ton dossier en dessous. In the office, they put your father in the le tremblement de terre. Le Seigneur verra tous les papiers. And on Monday, they will see all the papers. Et quand ils seront capables de ranger, ils arrangent ton papier. And then when the time they come to fix them, we fix them. Je dis des choses pour toi. I tell you things for you. J'annonce le travail de ta vie. I'm telling the moment of your life. Understand. Même tes songes. Even your dreams. Il y aura tremblement de terre. There will be an earthquake. Les gens qui disent, moi j'ai des songes.
These people who say that have a bad dream. God knows what tout is going on. And everything that will come from God. You know what the devil pour already fixed as a king. Et il t'empêche de songer. And then God doesn't want là, toi, you to dire, and you say, like, the priest prays for me. Ce moment-là, l'ennemi va te donner. And that time the enemy will come and get him. Hallelujah. Amen. Il y a une personne. There's somebody. Il a, il, c'est comme il y a un réfrigérateur ici. He feels very, very cold. Mais des fois, c'est la chaleur. Sometimes it's hot. Et des fois, il a froid. Sometimes it's too cold. Et quand ça t'attaque là-bas. And when you have those pain. En bas et en haut. From down to tu up. Tu ne peux pas bouger. You cannot move. Dieu t'a guéri. God heal you now. Dieu t'a guéri. God healed you. Je t'annonce que Dieu t'a guéri. I'm telling you that God healed you. La grâce de Dieu est descendue maintenant. The grace of God is getting down now. Les oreilles sont prises dans le système. For that we return the system. Tu n'écoutes pas bien avec une oreille. And we hear no good. Dieu t'a guéri maintenant. God heal you now. Dieu t'a guéri maintenant. God is healing you now. Tu peux mettre le doigt dans l'oreille que tu écoutes bien. And put your hand to the ear. L'oreille va bien écouter maintenant. And the other one will hear really good. Hallelujah. Amen. Je vois un homme qui est à tête érimé, mais sans son. I saw somebody is being blood. Je ne connais pas. Les poumons, les reins, de quoi je ne connais pas. I don't know your bladder, whatever problem you have. Mais je t'annonce que c'est parti. But I'm telling you that Dieu est là avant toi. God is there before Dieu est là avant toi. God is there before Dieu you. Dieu est là avant toi. God is there before je you. Je n'entends pas. Dieu est là avant toi. Il sera là avant toi. He will be there with tout you. Tout ce que tu crois faire. Everything you believe to Dieu do. Dieu t'a précédé. God is already ahead of you. Dieu t'a précédé dans le ministère. God already preceded you in the ministry. Il est capable de tout. He is able to fulfill. Il faut le louer. You have to praise him. Il va redresser ton cœur. He will fix your work. Je l'ai dit au nom de Jésus. And he said that in Jesus' name. Lève vos mains. Gloire à Jésus. Glory à Jésus. Glory partout to Jesus. Où vous êtes. Everywhere Jésus. There, glory il to sait. Jesus. Il sera là avant He's vous. There and he will be there before you. Dieu sera là. On est God will be there. They came to attack me. Maintenant, cette attaque-là a élevé mon ministère. But at that time, that attack put my ministry up. Ça a donné up. Le crédit à mon travail. It gave my credit. Mais c'était l'amour. But it was a death. Les ennemis viendront. Your enemy will come. Just serve God. Dieu sera là. God will be there. Avant toi. Before you. Dieu sera là. God will be there. Avant que l'ennemi entre en scène. Before your enemy comes in. Soyez content. Just be happy. Vous savez? You know? Il y a quelque chose qui se passe. There's something is going through. Jésus devait ressusciter ce jour-là. God, Jesus was risen. Et ces gens-là croyaient qu'ils vont empêcher la résurrection. And those people were there, they thinking that it will not rise up. Le soleil était au levant. The sun came up. Jésus devait ressusciter. Jesus has to be raised. Quand le soleil se lève à l'Orient. When the sun get up. Personne ne peut l'arrêter. Nobody can stop it. Quand Dieu te lève. When God lifts you up. Aucune personne ne peut empêcher. Nobody can stop you. Your elevation. Le diable a envoyé une armée. Oh, the devil has all the army. They will make to stop. Mais la résurrection a eu lieu. But God did not want to stop. What they are stopping in your life? Your ministry, ton travail, your work. Personne ne va empêcher. Nobody can stop. And your heart will not beat the way it used to. Ton cœur ne battra plus comme ça. Your heart will not beat faster. Ton cœur ne battra plus. Your heart will not beat faster. Ton cœur ne battra plus comme ça. Your heart will not beat faster.
cœur ne battra plus comme ça. Your heart will not beat like that. Je te assure, ton cœur ne battra plus comme ça. I'm assuring you, your heart will not beat like that. Je m'adresse à toi, ton cœur ne battra plus comme ça. I'm telling you, your heart will not beat like that. Merci, Seigneur. Thank you, Jesus. Quelqu'un a fait un accident. Somebody has accident. Au bassin. Here. Ça, c'est un problème. Je ne sais pas si tu t'es soigné ou pas. It's a problem. I don't know if you want to see a doctor or not. Tu as un problème pour faire des mouvements. But you have a problem to do a movement. To stand up. Maintenant. But now. Une chaleur est venue là. Then you will feel warm. Je te guéris maintenant. God is healing you now. Je t'ai guéri maintenant. God already healed you. Où est cette personne? Where are you? Où est cette personne? Who's that person? Lève-toi. Stand up. Bravo pour Jésus. Let's clap our hands for Jesus. Bravo pour Jésus. Clap our hands for Jesus. Cette salle est dans la grâce. This room is on the grace. Tu es dans la grâce. You are the grace. Rien ne peut bloquer. Tes péchés doivent être pardonnés. Les problèmes qui viennent même dans les songes. Even the problems you are having, they seem to stop your life. Dieu a utilisé ça. God used that. Dieu est là devant. God is there. Il est là avant toi. He's there before you. Dieu est avant toi. God is there before you. Il va faire des choses avant toi. He will do something. Il est parti avant toi. He went before you. Pour arranger. To fix. N'aie pas peur. Don't be scared. Même quand on te montre un trou. Even they show you a thing. God is there. Il y a un frère. There's a brother. Qui devait venir en Amérique. That is supposed to come to America. C'est un frère que moi j'aime beaucoup. It's a brother that I love so much. Je vais m'arrêter là-bas. I'm gonna stop ce right frère-là, there. That brother. Donc, ils n'ont pas eu le temps de bien préparer leur venue. He didn't have time to get everything ready. On les a appelés à l'ambassade pour leur dire que si vous ne payez pas aujourd'hui, vous ne. And they called them. They said, if you don't come today to U.S. ambassador. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? He said, brother, come here, please. Just say what happened. Alleluia. Amen. Just be like a preacher. Alleluia. Amen. Comme papa avait dit, ma première fille porte le nom de Lokoki. My first daughter has his name. On était dans la stérilité pendant 3 ans. She's 3 years old now. Et au moment où je vous parle, donc je suis venu ici pour dire que. The time I'm telling you, I came here. Je dois arrêter parce que j'en ai 5. I have to stop that. I have 5 now. Donc je viens d'avoir. Je n'ai pas ça. I just have twins. Depuis hier le soir. Alors concernant le témoignage de notre voyage. For the testimony about our traveling to come over here. On avait des rendez-vous à 9h. We have an appointment. Et on se lève vers 5h du matin. And we left for like 5 a.m. Il y a la pluie qui avait commencé depuis 2h. There was a rain from 2 o'clock in the morning. Qui ne cessait pas. That wasn't stopped. Et ma femme s'est levée. And my wife said that and went to see apostle. Et quand vous avez un grand problème, when you have a big problem, on s'attend à des prières peut-être de 2h-3h. You can maybe think that they will pray for us for 2 hours or so. But that wasn't for us. Souvent il prie 1 minute, 2 minutes. He prayed only 2 minutes. Et je me rappelle ce témoignage parce qu'il a tenu $200. I remember that I did pay $200. Et on devait payer 814 francs. We're supposed to pay like 840 times 4. 1628. Times 2. Il a dit seulement le Dieu de Ignace. He said that my God. Tu sais combien ils ont besoin. He know how much they need. $200 que je donne. These $200 I'm giving. Ça soit les mains. Let that be a lucky thing. That will bring all the money they need. Je suis sorti. And I left. Et je suis allé chercher l'argent. And I went to look for money. Maintenant que le rendez-vous est à 9h. And we had appointment at 9 a.m. Mais à chaque pas. But every step. J'appelais l'homme de Dieu.
I was calling him pour lui dire que j'ai 300 to tell him I have 300 dollars. I have this price. And we need 300 Et 350 dollars, on a cherché des 10 heures. And Et on l'a eu à 12h30. And that 350, we need that for 10. And we got that 12 when we on a vu des gens qui étaient là. We saw people who were there from 9:15 a.m. No, they didn't see nobody. Et nous, on arrive à 12h30. And we got there at 12:30. Et à l'ambassade, on nous dit. And their mercy. Vous les Congolais, je ne sais pas. On vous donne rendez-vous à 9h. We don't know. We give you appointment at 9. You are coming at 12. Et voilà tous ces gens qui sont arrivés à 9h. See all these people, they were et sitting there. Et toi, tu viens de dire que tu as un rendez-vous. And you want to come here and tell us that you have appointment at 9 a.m. Mon frère, arrête les distractions. I will start distracting us. J'appelle l'apôtre. I called the apostle. Il me dit que avant que vous arriviez là-bas, he said, déjà là. Before you came there, he was already there. Il a envoyé le ange. He sent the angel. Et vous allez voir quelqu'un qui va sortir de l'intérieur. And he sees somebody will come inside your bed. Il va venir vous chercher. He will call you. Et il y a la maman qui est sortie qui était très enflammée. And there was my wife was hungry. Et quand elle est sortie. Je sentais ce qui m'a dit que je puisse aller parler. And then I did feel that what they told me I had to et tell. Et quand je suis rentré, il m'a dit allez m'attendre là-bas. And when I came back, he said, go wait for me over there. Il dit au secrétaire, à la sécurité. She told the secretary. Il dit je fais exception cette couple. I'm doing exception for this couple. Quand on a glorifié l'Éternel. And when we glorified God. Il y a les gens de l'ambassade qui disaient, dis-lui nous là-bas qui sont. They were like you guys with your big crash. And that was my testimony. And we will give your testimony after. Qu'il prie d'abord pour vous. Let him pray first. J'attends quelqu'un dire amen. I want somebody to say amen. Okay, amen. Na yote. I didn't hear your amen. Tu peux lever ta main, tu gloire au Seigneur. If you can, then say glory be to God. Tu arriveras aujourd'hui à 10h à Austin. Today you're gonna get in Austin at 2:00 in the morning. Mais tu feras ce dont tu n'avais jamais fait. But you will do something that you never done. Dans la vie, quand on fait ce dont on n'avait jamais fait, on reçoit ce dont on n'avait jamais reçu. When you do something, pour impacter aussi son ministère. Vous croyez à cela? Prions. Père éternel, nous venons maintenant à toi. Estamos hoy aquí contigo. Confier notre frère. Y confiamos a tu hijo. Qui continue à travailler pour toi. Que está continuando a trabajar para ti. Que tout ce qui se passe dans son ministère. Que todo lo que pasa en su ministerio. Soit pour ta gloire. Sea para tu gloria. Que l'ennemi. Que el enemigo. Qui est venu de temps en temps voler, détruire. Que viene a cada vez para romper. N'ait plus place dans ce ministère. Ya no hay algo en su ministerio. Dans le nom de Jésus. En el nombre de Jesús. Sí, que la gloire de Jésus. Que la gloria de Jesús. Ramène tout ce que cet homme a perdu. Le devuelva todo lo que perdió. Seigneur, que la force nous soit donnée. Jesús, que tiene poder. Au nom de Jésus. En el nombre de Jesús. Bénis sa femme. Bendiga su esposa. Que ça soit une femme de prière. Que sea una esposa de rezar. Seigneur, que l'ange intervienne dans ce couple et dans ce ministère. Par la puissance du nom de Jésus. En el poder del nombre de Jesús. Nous proclamons le retour en force. El regreso en fuerza. Du travail au nom de Jésus. El trabajo en el nombre de Jesús. Amen. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Le pauvre diable ne te fera rien. Le pauvre diable ne te fera rien. El pobre diablo no va a hacer nada contra ti. Au nom de Jésus. En el nombre de Dios. Amen. 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 Gloria.